Bonjour à toutes et à tous, petit début de vidéo avec un concert de Stevie Ray Vaughan. Donc Stevie Ray Vaughan, un des meilleurs guitaristes du monde, hein, qui est mort tragiquement dans un accident d'hélicoptère, il me semble, alors qu'il avait 36 ans. Les médias se plaisaient à dire qu'il jouait du Hendrix mieux qu'Hendrix. J'irai pas jusque-là, mais franchement, un bluesman incroyable. Et ce concert live at The El Mocambo est excellent, franchement, très très bon titre. Si vous aimez le blues et les riffs de guitare, des solos de malade, franchement, voilà, c'est un excellent concert. Hier, je suis allé voir les Gardiens de la Galaxie, mais bien sûr, le numéro 2. Et franchement, je l'ai trouvé exceptionnel. Très très bien, visuellement. Le seul bémol, vous me direz, c'est pas le truc le plus important, mais malgré tout, c'est ce qui a fait un peu le succès du premier. C'était la musique, qui était les morceaux choisis, à part un morceau de Cat Stevens, c'était un petit peu en dessous. Donc je suis allé voir hier en avant-première, très très bonne, très très bon moment. Et franchement, bon, bah, c'est Groot, petit, qui tire vraiment son épingle du jeu. C'est le personnage le plus attachant. Tous les gens réagissaient dans le public à la moindre de ses mimiques. Hein. C'est vraiment une réussite absolue, ce Baby Groot. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller le voir, ça vaut vraiment le coup. Donc on va continuer la petite présentation de ma collection Blu-ray. J'ai Blu-ray DVD, le volume 9, il me semble. Mais j'ai rien préparé, hein, donc voilà, je vais pas faire le mec qui s'y connaît, vous savez, le mec qui a travaillé derrière pendant une heure avant de faire sa vidéo pour nous claquer tous les noms de réalisateurs, d'acteurs par cœur, etc. Voilà, moi c'est d'un trait, one shot, comme Fanaworld dit. Le premier film, je l'ai revu il y a pas longtemps, Narc, avec Ray Liotta et Jason Patrick sur le milieu flic, toxicoman, corruption, flic ripou, etc. Mais très très bon film, Narc. Aux yeux de tous... Bah, j'ai encore le prix. 26,90€. J'avais pas dû le payer ce prix-là, c'est pas possible. Ouais, non, il doit y avoir une autre étiquette. Je suis pas capable de mettre ce prix-là pour un DVD en plus. Donc je l'ai pas vu, hein. Mais je crois que c'est un film français en fait, aux yeux de tous. Ouais. Ouais. C'est parce qu'il y avait une super bonne critique, mais je l'ai pas vu. Je me suis pris il y a pas longtemps, je l'avais en VHS à l'époque, Les Doors, hein. L'histoire de Jim Morrison, un film excellent. Film d'Oliver Stone, hein, comme tueur né, et avec Val Kilmer, hein, qui est vraiment à ce moment-là un acteur qui explose tout. Ça a un peu changé. Je sais pas s'il s'est mis, à picoler ou quoi, mais c'est vrai que Val Kilmer, c'est plus ça, quoi. Mais Les Doors, un excellent film. J'adore. Il y a un moment, il y a un passage avec Billy Idol, hein, dont j'étais hyper fan. Billy Idol dans les années, on va dire 90-2000. Hein, enfin voilà, petit clin d'œil, quoi. Ça, j'étais super content de le trouver sur. Alors, il me semble que c'est sur Amazon, hein, encore une fois. Et ça traite de l'Amazonie. Non. Et donc, La Forêt d'Emeraude, film super sympa de John Boorman, que j'ai vu plein de fois étant gamin. En gros, c'est un gamin, alors, ce monsieur, tout petit, qui se retrouve. Là, c'est son papa, ouais, c'est ça. Il se retrouve abandonné, gamin, mais je sais plus dans quelles circonstances, hein, si c'est suite à un accident ou s'il est enlevé par la tribu, j'en sais rien. Les Invisibles, il me semble. Et en gros, c'est un film hyper écolo sur la déforestation, sur les tribus d'Amazonie, voilà, qui perdent leur territoire, les guerres entre clans, le capitalisme, mais il y a aussi une histoire de famille entre... du père qui recherche son fils, quoi. Et c'est vraiment un très très bon film. Fair Game, Naomi Watts et Sean Penn, hein, excellent film, pareil, guerre, espionnage, politique, magouille, très très bon film. Les effets papillons, j'ai le 2 et 3, et pourquoi j'ai le 2 et 3 et, pardon, le premier et le troisième, et pourquoi le premier et le troisième, et pourquoi pas le 2 en plein milieu que j'ai pas, et ben parce qu'il paraît que c'est une daube, et j'ai écouté un peu les gens. Le premier, j'avais adoré, hein, avec Ashton Kutcher. Le 3, je crois pas l'avoir vu, mais bon, il est dit qu'il est excellent également. Mais le 2, il paraît que c'est une dope finie, donc j'ai pas, voilà, j'ai pas tenté. Un peu comme La Maison Blanche, White House Down, avec Channing Tatum et Jamie Foxx, film d'action pur et dur, très sympa. Hein. On apprend pas mal de choses, justement, sur le président de la République, enfin, le président des États-Unis, pardon, de la République, n'importe quoi. Film pareil, ça c'est Léon Di qui me l'ont fait acheter. Il paraît que c'est un film complètement décalé, Kiss Kiss Bang Bang.
créateur de l'arme fatale, donc c'est plutôt, ça commence bien. Et Robert Downey Jr., pareil, il paraît qu'il est excellent. Et ben, on parlait de Val Kilmer, vous voyez, il était dans ce film également. Donc pas vu, mais de super échos. Ordinary Descent Criminal avec Kevin Spacey, Linda Fiorentino, excellent film, hein, vraiment typique. Voilà, le film des années 80-90, où ils ont vraiment fait de très bons films. À la Usual Suspect, Seven, etc. Donc voilà, très bon film. Un film avec Val Kilmer, Wonderland. Alors je me demande si c'est pas l'histoire de l'acteur de film porno. sur Wonderland Avenue, non. Ouais, c'est John Holmes, l'acteur porno le plus en vue de l'époque, qui pourrait être l'auteur de d'un assassinat. Et franchement, ouais, j'en ai entendu du bien, mais je l'ai pas vu. Backdraft, je l'ai vu. Je sais pas si c'est un film de Ron Howard. Ouais, si, c'est ça. Donc un film sur les pompiers avec Kurt Russell, si je ne m'abuse. Là, on voit un des frères Baldwin. Et après, je crois qu'il y a d'autres acteurs. Assez important, j'ai peur de dire des bêtises, c'est pas, j'essaie de trouver pour pas dire de conneries, mais je ne trouve pas. Donc très bon film, hein, sur fond effectivement d'incendie volontaire dans des lieux et une enquête qu'il y a autour, les pompiers qui risquent leur vie, etc. Franchement, très bon film. Crimson Prick, je l'ai pas vu, il paraît que c'est une ambiance assez gothique, sympa, film de Guillermo del Toro, mais bon, je vais pas vous dire de bêtises, je ne l'ai pas vu. Spider, c'est pareil, je l'ai pris il y a pas super longtemps, j'adore l'acteur, hein, j'en ai parlé hier pour Strange Days, Ralph Fiennes, il paraît que c'est un bon film bien barré, voilà, petite dédicace à Goldie, hein, des associés du diable, les araignées. C'est ses petites bestioles préférées. Il en a adopté une énorme qui en laisse et qui promène dans les rues de sa ville. Le nombre 23 avec Jim Carrey. Je pense que je vais le changer de place. Hein. Je vais le mettre avec les films de Jim Carrey. Un film sérieux cette fois. Hein. Enfin, sérieux, on va dire, où il est bien allumé, mais c'est pas une comédie. Je l'ai vu. J'avais beaucoup aimé. Voilà. Hôtel Rwanda, un très bon film, hein, avec entre autres Nick Nolte, basé sur une histoire vraie. Hein. Voilà. Donc le mec qui a sauvé plus de 1200 personnes, un gérant d'hôtel. D'où le titre. The Ice Harvest, John Cusack et Billy Bob Thornton, deux acteurs que j'aime beaucoup. Surtout Billy Bob Thornton, que j'ai vu dans la série, il n'y a pas longtemps, Fargo. Alors j'avais adoré le film des frères Coen, mais j'avoue que la série, j'ai surkiffé la première saison. La deuxième, j'ai pas accroché, j'ai regardé le début, j'ai arrêté. Donc voilà, on verra si j'ai le courage de m'y remettre. New Jack City, je me souviens vachement, c'était de la BO du film, c'était pas I Wanna Sex You Up, je crois, un truc comme ça. Donc avec Wesley Snipes, Ice-T, Mario Van Peebles, les gangs américains... dealer de drogue contre les policiers. Grand classique, mais très bon film. Two for the Money, c'est la distribution qui me l'a fait acheter, hein, donc Al Pacino, Matthew McConaughey, mais je crois pas l'avoir vu, ça me dit vraiment rien, là, comme ça. Mais bon, deux très très bons acteurs, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Un film que j'ai moyennement aimé, c'est Bad Times avec Christian Bale. Ouais, je l'ai trouvé pénible en fait comme film. C'est un mec complètement azimuté qui revient de la guerre, je crois. Qui a un peu les neurones qui malheureusement ont été endommagés. Bon bref, il cherche un boulot, mais il fait que des conneries. Violence, alcool, drogue et compagnie, quoi. Donc ça part un peu en couille. Mais ce qui aurait pu être un méga film, hein, et franchement, moi j'ai pas trop aimé. Le parfum du succès. On en parlait il y a deux minutes, hein. Toujours la distribution, je vais y arriver, qui me l'a fait acheter. Hein. Je crois que je l'avais trouvé à Noz à 2 ou 3 euros. Donc toujours avec Billy Bob Thornton et Théa Léoni, pardon. L'histoire avait l'air sympa, hein. C'est sur le business des vaches, hein, je crois, des bœufs ou un truc comme ça. C'est une entreprise de fumier, vous voyez le truc. Ça donne pas super envie comme ça en lisant l'histoire, hein, mais des fois on a de très bonnes surprises.
Et donc c'est écrit dans la lignée des films des frères Coen, Le Parfum du succès est une plongée exaltante dans l'Amérique des années 60, qui met en lumière des personnages loufoques merveilleusement interprétés par Billy Bob Thornton, Téa Leoni, Kyle machin, machin, machin. Bon, bref, ça a l'air vraiment très bien. 9 semaines et demie, hein. Adolescent, je fantasmais sur Kim Basinger, hein, qui a pris un coup de pelle depuis. Mais Kim Basinger, la scène du striptease dans la cuisine, avec la lumière derrière, du frigo, les jeux d'ombre, le glaçon qui se promène sur son corps, etc. C'est terrible. De bons souvenirs. Et Mickey Rourke, qui était encore très beau à cette époque-là, hein, avant qu'il se mette à la boxe et puis je pense aux drogues dures qui ont un peu abîmé sa gueule, hein, sa belle gueule. Les Rivières Pourpres, très bon film, hein, avec, comme je le dis souvent, un auteur que j'aime pas du tout, Mathieu Kassovitz, mais Les Rivières Pourpres avec Vincent Cassel, Jean Reno. C'était un peu le renouveau, hein, des thrillers, films policiers, avec tueurs, etc., français, où il n'y avait pas grand-chose de vraiment transcendant, et ça avait révolutionné le truc. Hein. Tout le monde en parlait, je me souviens des Rivières Pourpres quand c'était sorti. Total Western, ah, j'adore ce film, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, voilà, le cinéma français a enfin trouvé son Quentin Tarantino. En fait, c'est l'histoire de ce monsieur, hein, qui, pour une sombre histoire de drogue, d'argent, etc., est obligé de se planquer dans une auberge qui reçoit des jeunes délinquants, en fait. Et il se retrouve un peu parachuté, éducateur pour eux. Et puis, enfin, franchement, il est très très bien, très très bon film. La plage avec DiCaprio, Guillaume Canet, Virginie Ledoyen. Je l'ai trouvé il y a pas super longtemps. J'avais beaucoup aimé. Rav Blu-ray le cherche justement en Blu-ray parce qu'il trouve, enfin, il aime beaucoup ce film. Hein. Là, j'ai trois films de Danny Boyle. Donc Slumdog Millionaire, que j'avais vraiment adoré, hein, un peu basé sur l'histoire de qui veut gagner des millions, hein, c'est exactement ça, donc en Inde, très très bon film. Toujours avec film de Danny Boyle, Millions, c'est pareil, je crois que c'est un gamin, je crois qu'il trouve de l'argent, il me semble, donc une somme astronomique. Ouais, voilà, le butin d'un braquage. Et donc, bah, voilà ce qui va se passer avec cet argent. Et j'avais acheté, il n'y a pas super longtemps, parce que je l'avais qu'en VHS et Laserdisc à l'époque, dans Trainspotting, un film complètement déjanté, hein, avec Robert Carlyle qui fait flipper, il est complètement débile. Bon, après Spud, c'est pas mieux. Hein. Donc, une histoire sympa, hein, sur le milieu de la drogue, de ses dérives, puis des trucs tragiques, hein, et surtout, bah, pareil, une BO de malade. On va passer à l'étage en dessous, donc, avec ma petite pop de Taxi Driver, qui est vraiment, je la trouve géniale, avec sa crête, son revolver, sa veste Army, retour Vietnam et ses lunettes. Franchement, c'est très très bien fait. Ah, donc là, bah, je l'ai en Blu-ray et puis je l'ai en DVD avec des affiches différentes, donc avec la petite Jodie Foster quand même, hein. Et donc l'excellent De Niro. Donc on va commencer par là. Dancer Upstairs, je crois que c'était pareil. C'est un film de John Malkovich. Déjà ça avait dû m'interpeller. Et une histoire de terrorisme. Hein, mais je sais qu'il était bien bien noté, mais je l'ai pas vu. Quatre frères, c'est excellent. C'est un excellent film avec Mark Wahlberg, d'autres acteurs un peu moins connus, mais donc Mark Wahlberg. Et en gros, c'est des enfants qui ont été adoptés, dont personne ne voulait, hein, qui ont grandi forcément, qui étaient des délinquants notoires, qui le sont d'ailleurs encore un petit peu. Mais il y a une dame qui leur avait donné une chance, qui les avait adoptés, et cette dame, lors d'un braquage qui tourne mal, ce qu'on imagine, se fait tuer. Et donc, bah, ils vont chercher à comprendre et à savoir pourquoi cette pauvre dame si gentille s'est fait assassiner. Donc, quatre frères, n'hésitez pas. Très bon film. Milieu carcéral, hein, pour... quelques films qui vont arriver, enfin au moins deux, j'en vois au moins deux. Meurtre à Alcatraz, Christian Slater, Kevin Bacon et Gary Oldman. Donc très bonne distribution, très bon film, hein. Un grand classique, hein, comme L'Évadé d'Alcatraz, Les Évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Par moment, c'est vrai que c'est important de regarder ce genre de film, et puis comme ça donne vraiment pas envie d'y aller un jour, hein. La prison. Dog Pound, je l'ai vu il n'y a pas super longtemps et je pensais que c'était pas terrible et en fait c'est pas mal. Hein. Là, ce mec là sur la photo à droite est détestable. En gros, ben voilà, la prison.
avec tout ce qui s'y passe, pas de beaux trucs forcément. Les Hooligans 1 et 2. Donc je sais que le premier est vachement bien avec Elijah Wood et Charlie Hunnam. Par contre, ceux d'après, je crois qu'il y en a eu jusqu'à 3, n'ont pas une bonne presse, on va dire. Mais celui-là, si. Et je l'ai vu, mais bon, je m'en souviens pas trop. Alors, quelques films avec l'excellent Michael J. Fox. Qu'est-ce que j'aimais cet acteur. Je l'aime toujours, mais malheureusement, avec sa maladie, je crois que c'est Parkinson, hein, qu'il a eu très jeune, bah, sa carrière, c'est plus ça, quoi. Le secret de mon succès, excellent. Vraiment excellent. Bon, ça n'a rien à voir avec les retours vers le futur, hein, mais très très bonne comédie américaine. Alors, j'ai forcément acheté la trilogie de Retour vers le futur en Blu-ray, mais ce coffret-là que j'avais de la trilogie, j'ai pas pu m'en séparer parce qu'il est vraiment sympa, très joli. Je vais pas l'ouvrir, mais franchement, il est bien. Fantôme contre fantôme, bah, je l'ai présenté également en Blu-ray parce que je l'avais trouvé pas trop cher. Excellent film. Excellent film. Un peu à la Ghost, mais cette fois-ci un peu plus. Un peu entre Ghost et Beetlejuice, hein, je dirais comme ça vite fait. Mais donc plus comique que tragique, hein, parce que Ghost, malgré tout, c'est une belle histoire, mais elle est plutôt triste. The Continent Garner, toujours avec Ralph Fiennes, j'avais vachement aimé. Alors je crois que ça se passe en Afrique du Sud ou genre. Donc une brillante avocate est assassinée, son mari, donc Ralph Fiennes, diplomate réservé, ébranlé par ce deuil, décide de terminer l'enquête qui menait sa femme sur l'industrie pharmaceutique. Parlant de ce type de film, je sais pas si vous avez vu Zulu, mais j'ai adoré, hein, Zulu. Là donc on arrive avec la filmo Clint Eastwood et des films donc soit de Clint Eastwood ou faits par Clint Eastwood. Enfin, une partie de la collection. Donc, Mystic River, avec l'excellent Sean Penn et toujours Tim Robbins et Kevin Bacon. Excellent film. Hein, donc, deux Oscars, meilleur acteur pour Sean Penn et meilleur second rôle masculin pour Tim Robbins et César du meilleur film étranger. C'est vraiment un excellent film de Clint Eastwood. Une histoire tragique et il y a des moments qui font mal. Hein, je vous raconterai pas, mais ça fait mal. Là, je vais le faire. Voilà. Jersey Boys, l'histoire m'a plu, puis quand j'ai vu que c'était un film de Clint Eastwood, j'ai pris, je l'ai trouvé à Noz à 2€, je crois. Une histoire d'un groupe de musiciens dans les années 60. Il y a même Christopher Walken qui joue dedans. Donc voilà, comme vous pouvez voir, pas ouvert, pas vu, mais bon film. Invictus, excellent film, hein. Là, on parle bien d'Afrique du Sud, dans le film de Clint Eastwood, toujours un peu l'histoire de Nelson Mandela, hein, avec un Matt Damon génial, Morgan Freeman. Très très bon film de Clint Eastwood. Pareil, excellent, j'ai vu une vidéo de... Ah, je crois que c'est Ciné Jurassic qui vient de le trouver, Space Cowboy, en édition, pareil, pas Warner Bros, carton dégueulasse, là, boîtier DVD. Moi je l'ai même changé, je crois que c'était un boîtier noir, je l'ai mis en blanc, en transparent, je trouve que ça pète encore plus. Bon bref, une distribution Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, les papy cosmonautes quoi. Très très bon film. Une nouvelle chance, alors je sais que c'est un film de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et Justin Timberlake qui au-delà d'une musique que j'aime pas forcément plus que ça en acteur, je le trouve carrément pas mal. J'avais parlé de Time Out il y a pas longtemps. Où je l'avais vraiment trouvé vraiment très très bien. Ouais, je me souvenais même plus qu'il y avait l'excellent John Goodman dedans. Donc une nouvelle chance, film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood. Là on arrive sur des films un peu plus anciens avec le grand Clint. Donc Les Pleins Pouvoirs, une histoire de cambriolage qui tourne mal, enfin je crois. Okay. Quelqu'un qu'il n'aurait pas dû voir, ce qu'il aurait dû voir. Voilà, cambrioleur de carrière et repris de justice, a vu une femme se faire tuer, le coupable pour être le président des États-Unis. C'est ça, vous imaginez. Donc là, des inspecteurs Harry, hein, Clint Eastwood, Dirty Harry, je crois que c'est le premier. Je crois que je l'ai plusieurs fois, voilà. L'inspecteur Harry. La relève qui est excellent, hein, avec Charlie Sheen. J'avais vachement bien aimé celui-là. Là, bon, on est dans le western, donc impitoyable. Hein.
Alors, j'ai peur de dire la bêtise, c'est avec les prostituées ou pas? Ah non, je confonds. Ouais, avec Gene Hackman. Oui, d'accord, oui, je confonds, effectivement. Il est vachement bien. L'inspecteur Harry ne renonce jamais. Grand Torino. Quel film aussi, celui-là. J'adore le personnage qu'incarne Clint Eastwood dedans. Le vieux militaire aigri qui aime que son chien. Et des fois, il me fait penser un petit peu à moi. Et qui a des nouveaux voisins, des Coréens ou Japonais ou je sais plus quoi, enfin des Asiatiques. Et au début, ça se passe pas trop bien. Il voit pas ça d'un bon oeil. Et puis finalement, il va se mêler de leurs petits problèmes. Et franchement, un excellent film. Excellent. Un autre bon film hein, avec Clint Eastwood, c'est Créance de sang. Pareil, j'avais bien aimé. Si je me souviens bien, il est flic qui, en poursuivant un mec, il a une crise cardiaque, il manque d'y passer. Et en fait, il reçoit le cœur d'un donneur hein, qui va lui permettre de rester en vie. Hein, et puis il va apprendre au fur et à mesure qui lui a donné ce cœur, etc. Et c'est une histoire vraiment sympa. Million Dollar Baby. Monumental film. 4 Oscars, hein. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour Hilary Swank et meilleur second rôle masculin, je pense que c'est soit pour Morgan Freeman ou Clint Eastwood, j'en sais rien. Milieu de la boxe, hein, en gros, Clint Eastwood et Morgan Freeman tiennent une salle de boxe. La petite Hilary Swank, qui a une vie de merde, il faut le dire, décide de s'entraîner et demande de l'avoir comme entraîneur. Au début, il refuse et puis finalement, il finit par accepter, et là, une amitié, un amour même hein, platonique entre les deux nés, l'histoire est tout bonnement grandiose, mais malheureusement très triste. Alors ici, un DVD, je pense, à 1 million de dollars, parce que c'est peut-être un exemplaire super rare, super recherché, je sais rien, mais dans la ligne de mire, et quand vous regardez sur la tranche, je vais mettre à l'envers, ça ira mieux, bah, ils ont oublié le... Dans la ligne de mire, la mire, ça fait un peu la marque de produit vaisselle ou de lessive, je sais plus. Bon, bref, un film avec Clint Eastwood, je crois qu'il est bodyguard de. Attendez une seconde. Ouais, excusez-moi, hein, j'ai été interrompu malencontreusement. Donc, dans la ligne de mire, on en était. Ouais, donc c'est le garde du corps du président, je crois. René Russo, qui est pas mal aussi, hein, que j'avais vachement aimé dans L'Arme Fatale 3 et 4. Sur la route de Madison, très belle histoire romantique. Hein, on pourrait croire que Clint Eastwood, hein, vieux mec râleur, bagarreur, etc., n'est pas capable de faire un film d'amour et d'en être le héros principal, on va dire. Et franchement, Sur la route de Madison, très très belle histoire. À voir. Très très bon film. Et le dernier, hein, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je verrai si je peux refaire une vidéo soit tout à l'heure ou demain pour continuer tout ça. Donc, je ne présente pas hein, Le Bon, la Brute et le Truand. Excellent film avec le grand Clint Eastwood. Donc, c'est un film qui est entre autres écrit et réalisé par Sergio Leone. Hein. Trilogie du dollar, si je me souviens bien. Très très bon film. Donc j'ai voulu le regarder il n'y a pas super longtemps dans cette édition, donc en DVD, et franchement la qualité c'était pas ça, et j'ai eu l'occasion de le trouver en Blu-ray pas trop cher, donc je l'ai pris en Blu-ray. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vais ranger tout ça, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, un petit pouce bleu si vous en avez envie, et à très vite, faites attention à vous, ciao!